Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelque chose de choquant. Mon frère et soeur, c'est vraiment triste. Un policier a tout simplement tiré sur quelqu'un à cause d'un problème qui pourrait se régler à l'amiable. Cette personne est décédée et ce policier a pris la fuite. Waouh! Il y a tant de choses que nous avons racontées autour de ça. Mes frères et soeurs, c'est un truc vilain. Et ça nous a même poussé à réfléchir un peu sur la raison même qui a poussé cet homme à réagir de la sorte. Aujourd'hui, on parle de manipulation démoniaque. Manipulation démoniaque, sérieux? Oui, dans la colère des gens, les gens ne savent pas qu'ils ouvrent une porte, malheureusement. Ce qui est sur cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo. Vous allez cliquer là-dessus et la voir. C'est étonnant. Quand vous vous mettez en colère, vous ouvrez des portes. Les portes de votre esprit. Et il y a des gens qui font des prières mystiques qui peuvent avoir accès maintenant à vous. Et même les démons peuvent travailler dans ce sens. Parce que même chez les sorciers, la colère, c'est une bonne affaire. Chez les satanistes, la colère, c'est une bonne affaire. Ça veut dire que eux, s'ils vous cherchent à vous faire des amis, ou bien à bloquer quelque chose sur vous, ils vont passer par cette voie-là aussi, qui est la colère. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler de la colère. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu? Regardez même ça. Waouh! Dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, au verset 26, on nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Je réponds, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que nous pouvons tous nous mettre en colère. Ça, c'est normal. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas des robots. Mais quand nous nous mettons en colère, Dieu nous demande de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Premièrement, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher. Cet homme, dans sa colère, il a tiré sur quelqu'un. Il a commis quoi? Un meurtre. Même ici, dans ce monde, il va payer pour ça. Avec votre raison devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le soleil ne doit pas se coucher sur votre colère. Quand le soleil se couche, qu'est-ce qui vient après? C'est la lune, non? Mais bien sûr que oui. La lune va venir après. C'est-à-dire là, maintenant, ça va laisser place aux ténèbres. À l'univers où le diable et ses démons vont maintenant venir. Et quand les démons vont venir pour patrouiller, parce que les démons sortent, on n'a plus qu'à minuit et autres. Même des témoins puissants vont venir après cette vidéo, vous allez voir des choses, vous allez voir entendre des choses hors du commun. Mais on nous dit qu'ils sortent, ces gens-là, ils sortent pour patrouiller, faire tout et n'importe quoi. Et ils cherchent des voies, des portes pour entrer dans la vie des gens. Et on nous demande, le Seigneur nous demande de ne pas donner accès au diable par là, c'est-à-dire par cette colère-là. Ma soeur, frère, papa, maman, ah, si tu te mets en colère, on ne dit pas de ne pas te mettre en colère. Si tu es énervé, forcément, tu vas manifester ça. Même regardez, même ici, vous allez voir. Regardez, les gens manifestent leur colère comme ça. On ne dit pas de ne pas manifester ta colère ou de montrer ton mécontentement. Si tu peux le faire, mais il y a des conditions. Le Seigneur nous demande de ne pas pécher. Est-ce que vous voyez, le Seigneur nous demande de ne pas pécher et que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Nous ne devons pas aller nous endormir avec de telles colères, des rancœurs. Et c'est là que les gens maintenant vont se mettre à faire des complots ou bien à réfléchir sur comment faire pour payer l'autre, la personne qui t'a fait du mal. Regardez comment les gens sont en train de se mettre en colère ici. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne sont pas comme nous?
Mais bien sûr que oui, toutes ces personnes-là sont effectivement comme vous et nous. La colère peut prendre tout le monde. Mais il ne faudrait pas que ça. Il ne faudrait pas nous endormir avec ces jeunes choses dans le cœur. Que Dieu nous donne la force de pouvoir pardonner avant de nous endormir. Regardez, c'est un truc qui touche tout le monde. Il y a beaucoup de personnes ici comme ça, les mamans, les cousins, les frères, regardez. Tout le monde, les jeunes, les hommes âgés, les moins âgés, ça touche tout le monde. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi dans sa colère. Dans la colère, il faut vraiment réfléchir, vraiment se poser. Regardez comment elle est tellement chelou, on dit qu'elle est en boule. Elle est tellement en boule que même tout le monde commence à sortir de ses oreilles comme un taureau. Quoi. La colère, c'est ça. C'est-à-dire que là même, les démons maintenant viennent pour lui dire vas-y, fais de n'importe quoi maintenant. Fais de n'importe quoi. Sans doute le policier, ce qui s'est passé avec lui, c'est que les démons sont venus pour lui dire tire, faut tirer. Et lui aussi, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Il y a même une personne devant ce dernier. Ah, il pourrait même tirer sur une autre personne. Il pourrait louper sa cible. Là, il a fait, il a fui. Eh, Seigneur Jésus. Enfant des gens. Quand je regarde ça, ça m'a fait tellement mal que je dis qu'il faut que je fasse cette vidéo encore pour vous parler de la colère. Ça ouvre des portes aux démons. La colère, ça ouvre des portes aux démons de votre vie. Il faut que je vous parle de quelque chose. Si toi, tu cherches un truc dans ta vie, tu cherches quelque chose de précieux et tu as beaucoup de sorciers chez toi. Hey, mon frère, sors de la colère. Regardez comment la femme, elle a toute une colère hors du commun. Au point où ses cheveux se sont dressés comme ça. Yeah, mon Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez que c'est pas du jeu. Ça, on appelle ça comment? Est-ce que c'est une colère aiguë? Sa colère a même dépassé le niveau. Ça a même dépassé le niveau même. Regardez-le. Et il y a des films pour ça. Il y a des dessins animés aussi pour ça. Des dessins animés qui crée la colère, qui envoie les gens être très colériques. Et le diable, s'il sait que vous avez regardé un film et déjà ça semait une semence de colère en vous, il va créer les mouvements autour de vous afin que vous puissiez manifester cette colère-là, afin de vous plonger dans le problème. Le diable vous cherche. Nous sommes en guerre sur la terre. Le diable cherche la vie des gens. Le diable cherche les gens. Et vraiment, c'est triste. Si vous avez un problème avec quelqu'un, appelez la personne et si vous voulez, prenez ça. C'est que la femme l'a pris à la dans la main. Là. Vous prenez ça et vous criez. Ah, toi, depuis, je te parle. Arrête de m'énerver. Mais ne faites pas quelque chose de grave. Ne faites pas quelque chose de stupide, comme on dit chez nous. Ça ne sert à rien. Dieu nous a parlé, nous parle encore. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point en premier lieu. En deuxième lieu, que le soleil ne se couche pas sur cette colère-là. En troisième lieu, nous devons savoir que le diable peut avoir accès à ça dans notre vie. C'est comme une porte spirituelle qui est ouverte. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. C'est vrai, c'est dur, c'est pas facile. Tu as mal à te contenir parce que ta colère, ça se fait dans ton cœur. Tu as même envie même de te faire payer même toute la personne qui t'a fait du mal. Mais laisse pour toi Dieu. Dieu ne va pas faire ton malade. Dieu ne va pas se chercher de l'air. Partage cette vidéo, abonne-toi et toutes choses sont bonnes. Je vais te faire pas d'accueil. Trois autres chaînes t'attendent. Un second, je suis votre toi. Et un style. Abonne-toi là-bas aussi. Et sois prêt. Après cette vidéo, beaucoup de témoignages sont venus. Il y a tellement de choses à l'intérieur, beaucoup d'enseignements. Donc, nous allons découper ces témoignages en plusieurs parties. Il est possible que vous ne recevez pas des notifications sur les sorties de nos prochaines vidéos. Mais ne vous inquiétez pas. Vous-même, vous êtes vivant. Toujours vivant. Donc, venez sur la page d'accueil dans ce bon. Et regardez les dernières vidéos. Nos dernières vidéos. Même sur notre chaîne. Soyez prêts, c'est parti comme chenère. Let's go. Wow, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire. Et cliquez sur la cloche pour l'activer.
Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Wesley. Waouh! Merci beaucoup.